Hey, salut tout le monde, bienvenue sur euh, Paple. Paple. En fait, ça veut rien dire Paple, je dis, il eh, faudrait que je trouve un nom pour cette chaîne. Enfin bon, intro. <laughs> Aujourd'hui, on va voir comment régler en manuel. L'appareil photo numérique de son téléphone portable. Mais d'abord, je vais vous expliquer trois principes fondamentaux en photographie. Ces trois principes, c'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. On va voir l'ouverture, l'obturateur et les ISO. On va voir ça ensemble de suite. Premier réglage que l'on va voir, c'est l'obturateur. L'obturateur, c'est un rideau qui va venir s'ouvrir et se fermer pour faire rentrer de la lumière sur le capteur. C'est le même principe que lorsque vous allez avoir un robinet avec un verre d'eau en dessous. Si vous ouvrez très rapidement votre robinet et que vous le fermez très rapidement, vous allez avoir très peu d'eau dans votre verre. Ça va être la même chose, donc très peu de lumière sur votre capteur. A contrario, si vous ouvrez votre robinet pendant 10 secondes, vous allez avoir beaucoup d'eau dans votre verre. C'est la même chose, vous allez avoir beaucoup de lumière sur votre capteur si vous ouvrez pendant 10 secondes. Du coup, la vitesse d'obturation. On va la choisir en fonction de l'exposition de notre scène. Si par exemple j'arrive, je prends une photo en pleine journée, je vais plutôt privilégier une vitesse qui va être rapide. Par contre, si j'arrive sur une scène où il y a très peu de lumière, donc de nuit par exemple, ou peut-être même en intérieur, je vais plutôt privilégier une vitesse qui va être lente pour permettre de faire entrer un maximum de lumière. La vitesse elle va aussi influer sur un autre paramètre, ça va être le flou. D'accord, que ce soit du flou de bouger ou du flou de mouvement. Je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Donc le flou de mouvement. C'est euh, lorsque votre sujet qui va passer devant la lentille de votre appareil photo va être soit net ou flou. Si on prend une vitesse qui est rapide, votre sujet, même s'il passe très rapidement devant vous, il va être net. Si on prend une vitesse qui va être plus lente, il va être flou. Comme cet exemple, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est une photo que j'ai prise quand je suis allé à la Halo Machine. Donc j'ai pris une vitesse qui était assez lente. Donc vous voyez, du coup, les passants, ils sont flous. Et le flou de bouger, qu'est-ce que ça va être Lorsque nous, on va prendre notre photo, on va avoir des micro-tremblements. Du coup, si on utilise une vitesse qui est très faible, le problème, c'est que ces flous de bouger, ils vont se faire ressentir sur la photo. Donc, vous allez avoir une photo qui ne va pas être nette parce que du coup, vous auriez bougé euh, légèrement comme ça, avec, euh, en tenant votre appareil photo dans les mains. Quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi, des fois, euh, si vous voulez prendre une scène, donc par exemple de nuit, euh, avec euh, une vitesse qui est assez basse. Je vous conseille euh, d'utiliser par exemple un trépied ou d'essayer de caler votre téléphone quelque part pour avoir le moins de flou de bouger possible. Vu que la plupart des téléphones portables ont une ouverture qui est fixe, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur le diaphragme. Pour aller voir la vidéo de Laurent à prendre la photo, Hop, le lien qui se trouve juste ici, lui, il vous explique tout. Okay Allez-y. Et enfin, le troisième réglage, ça va être les ISO. Les ISO, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins que euh, l'augmentation de l'exposition de notre photo de façon numérique. Ce n'est pas des facteurs optiques qui vont permettre d'avoir plus de lumière, c'est des facteurs numériques. Donc c'est bien, mais ce n'est pas bien en même temps. Pourquoi Parce que plus on va augmenter les ISO, plus on va dégrader notre image. Vous savez, des fois, quand on prend des photos de nuit avec nos téléphones où il y a très très peu de lumière, par exemple en boîte de nuit, on a ces petits points là, sur l'image, dégueulasse un peu de plusieurs couleurs. C'est ce qu'on appelle du bruit numérique. D'accord, ça dégrade fortement notre image. Je vous donne un exemple juste ici, paf. Voilà. La plupart des appareils photo haut de gamme permettent une montée en ISO. Sans perte de qualité, sans grande perte de qualité, d'accord, c'est les processeurs euh, voilà, qui font euh, des calculs et qui permettent de restituer une image qui est correcte. La plupart des téléphones portables euh, n'ont pas une grosse montée en ISO. Donc du coup, je vais quand même euh, vous conseiller au niveau des ISO de ne pas trop les monter à partir d'un certain niveau euh, par rapport à la qualité de votre euh, appareil photo. Ok, donc tous ensemble, on va se retrouver sur le téléphone portable pour une petite mise en pratique. Allez, on se retrouve sur l'application de l'appareil photo de mon téléphone portable. Donc chez Huawei, ça se présente de cette façon-là, à peu près. Hein, okay Donc vous avez tous les modes photo, vidéo. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le mode pro, où je vais vous expliquer euh, comment on va pouvoir interagir sur les différents réglages. Déjà, vous allez dans les paramètres vous pouvez choisir la résolution de votre photo. Surtout, ce qui est important, si vous voulez retoucher vos photos, mettez-vous en format RAW ça sera plus simple pour euh, faire de l'édition et du post-traitement. Okay. Après vous n'êtes pas obligé, hein, mais euh, si vous voulez retoucher vos photos, je vous conseille euh, de mettre euh, sur le mode RAW. Ensuite, donc on va partir de la gauche vers la droite. Euh, ça, c'est différentes mesures d'exposition. Donc je ne vais pas vous expliquer. Il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent très bien, euh, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Ici on a nos ISO. Comme je vous ai expliqué, hein, 50 donc euh, très peu de lumière euh, fabriquée artificiellement, 3200 beaucoup de lumière euh, fabriquée artificiellement, OK. S pour le shutter, donc le shutter c'est l'obturateur, donc c'est pareil, hein. euh, je vous ai expliqué tout à l'heure. 1 4 millième de seconde, donc peu de lumière qui rentre sur le capteur, et le minimum 30 secondes, beaucoup de lumière qui rentre sur le capteur. EV, ça, ça va nous servir à, quand nos réglages sont en automatique, donc à régler notre correction d'exposition. Et Ensuite, vous avez la mise au point, ok. Donc, vous avez les modes deux modes d'autofocus, ok. Donc, autofocus continu, donc euh, c'est à dire que mon sujet, quand il va avancer, il va reculer. L'appareil photo, il va continuer à essayer de faire la mise au point dessus. Et AFS, d'accord, c'est pour euh, un point, donc vous avez réglé votre focus sur un point. Et après, il ne bougera plus. Et MF, c'est manuel focus, donc euh, voilà. Vous voyez ici, là, j'ai ma petite règle, et là, je viens régler mon focus. En fonction de ma scène. Donc, si j'ai un sujet qui est très près, je vais le régler à gauche. Si j'ai un sujet qui est assez loin, je vais les régler à droite. Et à la fin, vous avez la balance des blancs. Donc, si vous voulez un blanc euh, qui soit plutôt euh, chaud ou un blanc qui soit plutôt froid. Donc, chaud dans les tons orange et froid dans les tons euh, bleus. Donc, vous pouvez les choisir. Vous avez euh, différents modes, d'accord AWB, c'est euh, automatic white balance donc balance des blancs automatique et après vous avez différents modes donc en fonction des scènes donc nuageux ça c'est quand vous êtes en intérieur donc en fonction si c'est des lumières incandescentes ou fluorescentes ça c'est sur une journée qui est ensoleillée ou sinon vous pouvez la mettre manuellement d'accord la température de couleur donc ça qui s'exprime en kelvin voilà je vous conseille d'utiliser les modes qui sont déjà réglés franchement ça suffit Ok, allez, on se retrouve dehors. Je vous montre vite fait comment on peut faire les réglages sur une scène. Ok, bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc là, on se retrouve dehors. Euh, bon, là, vous voyez déjà ma photo, elle est complètement cramée. Elle est surexposée. Pourquoi Parce que regardez, au niveau de mon obturateur, je suis à 30 secondes. Donc j'ai trop de lumière qui va rentrer sur mon capteur. Les ISO, je vais les laisser à 50 pour l'instant. Je ne veux pas y toucher. Et là, je vais aller sur S. Donc là, je vais descendre. Je vais descendre ma vitesse. Enfin, pas la descente, je vais la monter justement. Pour arriver à, à peu près. Allez, 1 4 centième de seconde. Je pense que c'est pas mal. Donc, okay, au niveau de l'exposition. Par contre, vous voyez, euh, mon bâtiment, il est complètement flou. Donc là, ce que je peux faire, c'est régler donc, le focus. Donc, je vais mettre sur AFS. Et je vais appuyer, par exemple. Moi, je veux le focus au centre. Du coup, j'appuie au centre. Voilà. Donc là, il fait le focus. Et enfin, on va essayer de régler la balance des blancs. Donc là, elle est réglée sur 7000 Kelvin. Moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez que c'est trop jaune. Là, c'est une journée qui n'est pas forcément ensoleillée. Il y a beaucoup de nuages. Donc je vais me régler sur nuageux. Normalement, ma balance des blancs, euh, elle est correcte. Et là, je peux déclencher. Là, je prends ma photo. Paf. Voilà. Du coup, je regarde. On voit que ma photo, elle est bien exposée. La balance des blancs, elle est correcte. Là, si on zoome, encore, sur l'image. On voit que c'est net. Bon après, on reste quand même dans les limites d'un capteur d'un téléphone portable. Okay Mais euh, ma photo, elle est quand même assez nette. Voilà. Donc là, du coup, ma photo est bien exposée. Et eh bien écoutez, je vous dis merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à lâcher un petit commentaire. Euh, voilà, moi, ça va m'aider à faire avancer ma chaîne. Euh, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes en famille. Profitez bien. Et on se retrouve, euh, j'espère, très prochainement pour une autre vidéo. Salut